Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser le logiciel LensView pour pouvoir dupliquer l'affichage de ton iPad sur ton portable ou encore sur ton projecteur via ton portable. Donc, première des choses, tu dois installer le logiciel LensView sur ton poste de la commission scolaire. Donc, pour ce faire, tu dois aller dans le centre de logiciel sur le bureau de ton poste. Donc, sur le bureau, tu vas aller dans le centre de logiciel et tu vas aller chercher le logiciel LensView. Donc, le logiciel LensView est juste ici. Et tu vas cliquer sur Installer. Une fois le logiciel installé, tu dois le démarrer. Puis, tu dois sélectionner ce que tu désires faire. Donc, ici, on aimerait projeter l'écran de notre iPad sur l'ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher comme ça ici le code. Il faut absolument que ton ordinateur soit sur le même réseau que ton iPad. Maintenant, sur ton iPad, tu dois avoir installé l'application LensView. Donc, une fois que l'application LensView est sur ton appareil, sur ton iPad, tu lances l'application. Tu t'assures que tu es sur le même Wi-Fi que ton appareil. Si tu n'es pas sûr, tu peux aller vérifier dans tes réglages le réseau Wi-Fi si tu ne vois pas ici le nom du Wi-Fi. Maintenant, je vais essayer avec le code PIN et je vais entrer le code PIN qui m'est donné à l'écran de mon ordinateur. Une fois le code PIN entré, j'appuie sur Démarrer la diffusion. Donc maintenant, je vais aller dans le coin en haut à droite, faire apparaître le centre de contrôle. Et je vais aller sélectionner Recopie de l'écran. Vous devez sélectionner Let's View Mirror. Donc, vous voyez maintenant que mon iPad est en recopie sur mon ordinateur. Donc, il me suffit de retourner sur mon iPad et d'aller dans les applications que je désire afficher. Donc, on voit ici l'écran de mon iPad qui s'affiche. Et je peux démarrer n'importe quelle application et expliquer aux élèves comment l'utiliser. Une fois que j'ai terminé de partager mon écran, je retourne dans le centre de contrôle et je fais arrêter la copie. Une autre possibilité, c'est d'utiliser le code QR pour connecter les deux appareils ensemble. Donc ici, je fais afficher le code QR, puis sur mon iPad, je vais numériser ce code QR avec l'application LensView. Donc sur mon iPad, je vais activer la lecture de code QR. Donc c'est l'icône en haut à droite, un carré avec une barre en plein milieu. Et je vais numériser le code QR de mon ordinateur. Donc, maintenant qu'il est numérisé, il me suffit de faire apparaître le centre de contrôle comme tantôt et d'activer la recopie d'écran. Donc, ici, je sélectionne Let's View Mirror et comme tantôt, je peux retourner sur l'écran d'accueil de mon iPad et aller sélectionner une application que j'aimerais montrer à mes élèves. Donc, par exemple, donc là, je peux montrer l'exercice à faire à mes élèves. Et voilà comment diffuser l'écran de son iPad sans fil sur son ordinateur, grâce au logiciel LensView.